Bonjour à tous, chers amis. Aujourd'hui, Pessah Sheni, le deuxième Pessah, 14 Iyar, le Lion Ishmael Meir Ben Yitzhak. On voit un merveilleux discours que l'Abbé a prononcé aujourd'hui à un groupe de femmes. C'était il y a exactement 59 ans, le jour de Pessah Sheni, 14 Iyar 1965. Le fait que le peuple juif s'est réuni comme chaque chose, c'est certainement par providence divine. Il y a un sens, pas seulement il y a un sens, il y a aussi une raison, il y a aussi un enseignement à prendre du fait qu'on se réunit ce jour-là, le jour du Pessah Sheni, qui est aussi d'ailleurs la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Et donc, puisqu'on est Pessah Sheni, il y a toute une histoire dans la Torah, c'est très bien ce qui est écrit dans la Parasha Be'alot, on a vu ça déjà dans les cours cette semaine, qu'on peut revoir sur retorah.fr, et on a le devoir de se dire, qu'est-ce qu'on apprend de cet épisode qui en réalité s'est passé une seule fois, 2449. Un an après la sortie d'Égypte, peuple juif qui s'est rendu compte, certains qui ne pouvaient pas faire le premier Pessah, certains disent parce qu'ils avaient les ossements de Yosef ou les enfants de Aaron et qui ne pouvaient pas amener le sacrifice de l'agneau pascal, ils ont dit adieu, la fameuse question, l'âme à Négara. Pourquoi on sera différent de nos frères? Pourquoi eux ils ont pu le faire et nous on ne peut pas? Mais on se rappelle cette histoire comme elle est racontée dans la Torah, comme la Torah est éternelle. Elle a été donnée pour l'enseigner et l'apprendre tous les ans, dans toutes ces périodes, et dans n'importe quel endroit où un juif se trouve. Et là, on comprend que cette histoire qui est donnée dans la Torah, elle a un enseignement qui est adapté pour chacun d'entre nous, homme, femme, enfant, qui se trouve dans tel endroit et tel lieu. Et puisque c'est enregistré dans la Torah, on sait très bien que pas toutes les histoires ont été enregistrées dans la Torah. La Torah n'est pas un livre d'histoire. Quand la Torah te raconte une histoire, il y a un sens et un enseignement profond pour chaque juif. Plus on apprend la Torah, plus on comprend en profondeur, on peut tirer les enseignements et les leçons, soit pour soi-même, soit pour le comportement avec autrui, comment se comporter dans l'environnement dans lequel on se trouve. Tout ça, c'est même quand c'est une histoire courte, comme ça fait partie de la Torah de Dieu. C'est pas étonnant qu'une histoire courte qui a été transmise en quelques versets peut avoir des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'enseignements. Et plus on apprend et plus on va l'apprendre, plus on restera à apprendre jusqu'à la fin des générations. Donc pareil avec l'histoire de Pessah Sheni. En plus des enseignements que cette histoire on a appris dans le passé et dernièrement, quand on s'approfondit dans cette histoire, on va voir des enseignements nouvelles en rapport avec le temps et l'endroit dans lequel on est. Des enseignements qu'on peut toujours les trouver par ça qu'on médite bien dans les détails comme c'est passé à l'époque. Et là, l'Orbi commence à rentrer dans les détails dans la dernière ligne. Analysons d'abord les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait venir Pessah Sheni? Le peuple, j'ai fait sortir d'Égypte, et on devait fêter la deuxième page, on devait fêter Pessah dans le désert. Il y avait une des conditions. Et la condition était quoi? Qu'amener le sacrifice de Pessah, faire le seder, tout pouvait être seulement par quelqu'un qui n'est pas impur, Ishtar, quelqu'un de pur, comme ça c'est écrit dans la Gemara Psachim, Mishnah, exactement au début du chapitre 9. Et c'est bien sûr dans la paracha Be'alotra. Arrive le premier Pessah dans le désert. Sont venus chez Moshe plusieurs juifs. Ils lui ont dit « Anach nut meim le nefesh adam ». Nous sommes impurs. Puisqu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas pu se purifier en temps et en heure, comme la Torah le demande. Et les fameux arguments qu'ils ont dit « Lama nigara le bilti akriv et kaban Hashem ». Pourquoi on devrait être différent? Pourquoi on ne peut pas amener le sacrifice comme Dieu l'a demandé? Pourquoi on va manquer la possibilité d'amener le sacrifice que Dieu veut qu'on amène? Que le peuple juif l'amène en son temps dans le peuple juif. Cet argument, ça a fait en sorte que quoi? Moshe leur a promis de demander à Dieu qu'est-ce qu'il va leur répondre. Bonjour. Moshe, il a dit, moi j'ai pas de réponse à cette question. Parce que c'est quelque chose qui s'est jamais passé jusqu'à présent. Et donc je demandais à Dieu quoi faire. Et Dieu a répondu à Moshe en disant que Mikan là-bas, qu'à partir d'aujourd'hui et plus tard, ceux qui étaient impurs et qui n'ont pas pu amener le premier korban Pessah en son temps, Dieu a fixé pour eux le temps d'amener Pessah, la possibilité un mois après le vrai Pessah, qui est le 14 Iyar, c'est le jour d'aujourd'hui, le jour de Pessah Sheni. Et depuis, comme on a dit tout à l'heure, on fête le Pessah Sheni chaque année le 14 Iyar. C'est même en nos jours aujourd'hui qu'il n'y a pas vraiment, parce que le temple il est détruit. Aujourd'hui, le temple il est détruit. On ne peut pas amener de sacrifice. Il n'y a pas vraiment de fête de Pessah Sheni. Comment on fête ce jour? Pour ça qu'on n'a pas dit Tachanon dans la prière. Parce que c'est un jour qui est plus joyeux, qui est plus Yom Tov que tous les autres jours. Ce n'est pas un jour de Yom Tov comme un jour de Yom Tov, mais je veux dire, c'est un jour qui est festif. Parce qu'on se rappelle ce qui était passé à l'époque du temple. La Bible te demande très bien, tu sais, c'est bien beau cette histoire. Mais concrètement, aujourd'hui, on n'a pas le temple.
Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cet épisode que la Torah enregistre et la Torah le transmet pour les générations à venir, pour nous dans la vie de tous les jours, dans le Dalet? Mao Amoussar, quel enseignement on apprend? Shalom Dim, Manu Mise qu'on apprend de cette histoire de Pessah Sheni. Allez, commencer à analyser chaque point. D'abord, analysons l'argument de ces Juifs, qui n'est pas compréhensible, qui est incompréhensible. Le début de leur argument, c'était quoi? She'einam Teorim. Nous, on n'est pas purs. Et donc, à la fin, ils te disent, puisqu'on n'était pas purs, pour ça, on n'a pas pu amener le sacrifice de l'agneau pascal en temps et en heure. Et maintenant, on va l'amener. Rabbi dit, pourquoi l'argument commence par ce qu'ils sont? Ça aurait dû commencer à l'envers. D'abord, ils auraient dû dire, on a un devoir d'amener le sacrifice de l'agneau pascal. Et comme on n'est pas pur, c'est pour ça qu'on essaie de trouver une solution, parce qu'on ne veut pas manquer à notre devoir. Mais Rabbi dit, pourquoi il commence en disant, on n'est pas pur, et on voudrait amener le sacrifice? La question a dû se poser à l'envers. Puisqu'il faut amener un sacrifice, et malheureusement, on ne peut pas le faire parce qu'on n'est pas pur, alors on demande quoi faire. Rabbi dit, il y a un enseignement ici majeur dans la manière comment la question a été posée. Rabbi disait à chaque fois que comment on pose, c'est comme ça qu'on a la réponse. En fonction de la question, c'est comme ça que tu as la réponse. Quel enseignement? Regarde dans le... Il y a ici un sens profond et un enseignement profond. Korban Pesach, le sacrifice de l'année Pascal, il est distinct, il est différent de tous les autres sacrifices. Il y a à l'intérieur de ce sacrifice quelque chose qu'il n'y a pas dans tous les autres sacrifices qu'il y a dans le temple. Parce qu'il y a trois types de sacrifices, comme on dit dans les korbanot tous les matins dans la tefila. D'abord, tu as ce qu'on appelle les korbanot yachid, les sacrifices singuliers d'individus. Qu'une personne s'est engagée à l'amener au temple, une femme qui a accouché, quelqu'un qui devait amener un sacrifice de remerciement, un miracle ou quoi que ce soit, ou tu as donné un don d'un sacrifice au temple, c'est ce qu'on appelle un korban yachid. Après, tu as la deuxième catégorie, korbanot tzibur, sacrifice qui était de la communauté, qu'on amenait un sacrifice par jour pour toute la communauté, pour tout le peuple juif. Mais ce sacrifice était amené dans le temple par, on va dire, des représentants de la communauté, qui faisaient ça au nom de tout le peuple juif. Et après, tu as ce troisième sacrifice qui est différent encore de tout le reste, qui est le Korban Pessah. Sacrifice de Pessah, que Dieu il a ordonné que chaque juif a le devoir d'amener le sacrifice de Pessah en même temps et le même moment avec tout le peuple juif. Top d'Israël. Ça veut dire Korban Pessah, on a les deux sujets ensemble. D'abord, c'est un sacrifice d'un individu. Chaque juif amène le Pessah tout seul. De l'autre côté, tu ne peux pas l'amener tout seul. Ça doit être aussi un sacrifice communautaire, puisque tout le peuple juif amenait le sacrifice au même instant. Et donc là, c'était l'argument qu'ils ont eu, ces juifs, à Moshe Rabbeinu. Anach, nous devons mener la fâche d'un puisque nous sommes impurs. Dieu, il a fixé l'ordre dans le monde d'une manière que chez un peuple de millions de personnes, c'est pas possible que de temps en temps, il n'y ait pas quelqu'un qui part de ce monde, que Dieu nous en préserve quand il arrive à l'âge de 120 ans. Le devoir et la mission que Dieu a donné à chacun. Surtout quand on parle d'un grand peuple qui a été béni par Dieu, chez lui, ça fermera, qu'on ne pourra pas le compter tellement il est nombreux. Et chaque jour, il y a des nouveaux enfants nés. Donc c'est impossible qu'il n'y ait pas là-bas dans ce peuple un cas dans lequel il y a quelqu'un qui part de ce monde pendant les jours de préparation à Pessah. Donc leur argument était, on est obligé d'être comme si ce jour-là, on devait faire les choses comme il fallait. De mots, nous, on était prêts à l'amener le Pessah en son temps et en son heure. Mais de l'autre côté, par la force des choses, la Torah elle aurait dû prévoir une situation dans laquelle quelqu'un devient impur la veille de Pessah. Parce que ce n'est pas possible que personne parte de ce monde la veille de Pessah, parce que tu es un peuple de millions de personnes. Et c'est forcément possible qu'il y a quelqu'un qui va partir de ce monde quelques jours avant Pessah. Et donc, eux, ils viennent avec un argument à Dieu en disant, il y a ici deux choses de son contraire. Dieu, il te dit qu'il y a le devoir, que le 14 Nissan, tout le monde a le devoir d'amener le sacrifice de Pessah. Pas par un envoyé, pas par quelqu'un d'autre, mais par toi-même, chacun pour soi. Et pour ça, il faut forcément être pur ce jour-là. Et au même instant, Dieu y met un ordre dans le monde que le 14 Nissan, c'est forcément, ça doit être vrai, ça se passe, qu'on va trouver plusieurs juifs qui ont le devoir, d'après la Torah, d'amener le sacrifice et qui ne pourront pas le faire parce qu'ils ne sont pas purs, parce qu'ils ont rien d'essayer dans la famille. Et donc ça, c'est leur argument et les mots qu'ils ont choisis. Anach nous tmeim le nefesh adam. On est impur par rapport à l'âme d'un être humain. Ça même que Dieu, il a mis ce processus. Le peuple, ces juifs qui sont venus se plaindre à Moshe. C'est ceux qui portaient le cercueil de... Alors, il y en a qui disent, il y a trois avis. Il y en a qui disent, c'était ceux qui portaient le cercueil de Yosef. Il y en a qui disent, c'était le cercueil de Nadav et Avi ou les enfants d'Aaron qui sont morts lors d'inauguration du temple qui était Rosh Chodesh Nissan. Il y en a qui disent, c'est un maître mitzvah, quelqu'un que personne ne pouvait enterrer, donc ils se sont pris en charge pour s'occuper de cet homme-là. En fait, c'est le moment où ils sont sortis d'Égypte. Ils ont dû prendre le cercueil de Yosef. Oui, exactement. Yosef, ceux qui ont fait ça, ils disent, j'ai pas pu faire exactement. Ça. Alors, il y a beaucoup de détails, parce que si on peut entrer dans les détails, d'abord, là, c'était une année après.
que Dieu l'a ramené du fait de l'esprit. Deuxièmement, on sait très bien qu'un tzaddik ne rend pas impur. Bref, il y a pas mal de détails. Alors, pour ça, il y a plusieurs avis. Il y en a qui disent que c'était un autre avis, il y en a qui disent que c'était juste un autre mort. Mais au final, c'était quelques personnes qui étaient dites. C'est même pas la majorité du peuple juif, c'est une partie, c'est une petite partie. Ils ont dit un mot en disant pourquoi nous on a été. Pourquoi nous on peut pas amener le sacrifice parce qu'on était impur. On a été exclu du fait qu'on a porté un cercueil. La manigara. La manigara, pourquoi on est différent des autres? Pourquoi le mot gara, c'est le mot. Pourquoi il va nous manquer quelque chose? Pourquoi on aura un manque? C'est pas exclu, c'est-à-dire pourquoi. Nous, on ne peut pas être comme tout le monde. Pourquoi on est différent des autres? Pourquoi eux, ils peuvent le faire, nous, on ne peut pas? En deux mots, ce n'est pas de notre faute qu'on ne l'a pas amené. Maintenant, eux, ils disent, le fait qu'il y a un mort, c'est Dieu qui a décidé qu'à ce même moment, les Juifs devront être impurs. Et donc là, Manigara, quand tu vois ici, pourquoi on serait différent? Quelle est notre faute que nous, on ne peut pas amener ce sacrifice, d'amener le sacrifice de Pessah Sheni, de Pessah que Dieu l'a demandé? Dieu l'a reconnu dans leur argument qui était juste. Et Dieu leur a répondu qu'on ne peut pas leur enlever la mitzvah. Par ça qu'ils ont proposé, qu'ils sont venus avec cet argument, Dieu a rajouté une autre mitzvah et un yom tov chez tout le peuple juif Pessah Sheni. Ça, c'est le fait. Vav, leur habitude, de là, on apprend un enseignement énormément profond pour chacun d'entre nous. Parce que beaucoup demandent la fameuse question, mais quand on élargit, pas au sujet de Pessah Sheni, on élargit ça à la religion tout court. Il y en a qui disent comme ça. Mais Chad, qui ça d'un côté, Dieu demande qu'on soit un peuple saint. Qu'on puisse reconnaître, sans nous, que nous, on est séparés et différents de toutes les autres nations. La page 299. Que par ça, que nous, on mange Shabbat, on fait Shabbat, on mange Kasher, on fait toutes les mitzvot que Dieu nous a données. De l'autre côté, la réalité, elle est que Dieu nous a mis dans une situation qu'on doit consacrer plusieurs heures par jour qui nous enlève des hommes l'impossibilité d'apprendre la Torah pendant ces heures-là, qui enlève des femmes la possibilité de s'occuper de l'éducation comme il faut de leurs enfants que Dieu leur a donné, qui enlève des femmes non mariées de s'occuper de la préparation, de pouvoir consacrer des heures à se préparer comme il faut quand ils devront construire et fonder une famille, basée sur les bases de la Torah et les mitzvot. Donc ça veut dire, Dieu demande à un juif d'être dans le monde que Dieu il a créé, en mangeant, en dormant, en travaillant, ce que tu veux, et se comporter avec les règles de la Torah qui sont au-dessus du monde. Et donc cet argument, c'est un argument que chacun a. C'est-à-dire, tu veux que je fasse ce que tu me demandes, mais tu m'as donné le devoir de chercher un travail, de travailler, d'aller au travail, d'occuper des enfants, donc combien de temps dans la journée je peux consacrer pour faire ce que tu me demandes? Je ne peux pas consacrer beaucoup plus de temps. Et donc l'argument de Pessah Sheni, c'est un argument pour chacun d'entre nous. Oui, ça c'est un enseignement qu'on apprend de la réponse que Dieu l'a donnée. Que même si tu t'imagines qu'être dans le monde et faire les mitzvot, c'est quelque chose qui a beaucoup de difficultés. Et surtout quand tu parles du mitzvah qui est là une fois par an. Et quand tu n'as pas pu faire cette mitzvah ce jour précis à cause des empêchements du monde, tu peux penser que tu as perdu. Tu peux penser que ça y est, tu as failli parce que tu ne pourras plus le refaire jusqu'à l'année prochaine. Tu dois savoir que si un juif il veut réellement faire la Torah et les mitzvot et qu'il demande la manigara, qu'il se tourne vers Dieu en disant pourquoi je n'aurai pas la possibilité de le faire comme tout le monde, Dieu va te donner la possibilité que tu pourras faire les mitzvot comme tous les peuples juifs sans jamais rien perdre. Ah, si pour ça il faut que Dieu fasse quelque chose de nouveau, Pessah Sheni, qui n'avait pas jusqu'à présent, Dieu va le faire pour ces autres juifs qui se trouvent dans une telle situation que d'une autre manière ils n'auraient pas pu faire la mitzvot. Ça, c'est l'enseignement pour nous aujourd'hui. Parle maintenant, comme je disais tout à l'heure, à un groupe de femmes. En 65. Même s'il te paraît qu'après tous tes calculs, c'est impossible de te transmettre et te donner pour l'éducation comme il faut des enfants, ou de fonder une famille juive comme il faut, ou d'apprendre la Torah comme il faut, et que tu te dis que faire la religion, c'est contradictoire à vivre dans le monde, ça c'est juste une imagination du mauvais penchant. Tu dois faire chez toi la décision forte et sereine. C'est pas possible que moi en tant qu'individu, homme, femme, vieux ou jeune, je ne serai pas parmi tout le peuple juif qui a compris la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, tu vas voir que Dieu t'a donné la possibilité de le faire. Ça, c'est un enseignement. La Bible continue en te disant, il y a un deuxième enseignement, dans les détails de Pessah Sheni encore plus profond. Il y en a qui disent, Dieu, il savait depuis le départ qu'ils ne vont pas pouvoir amener le sacrifice le 14 Nissan. Alors pourquoi on avait besoin d'attendre jusqu'à ce que ces Juifs viennent et demandent la question à Moshe? Et une fois qu'ils ont demandé à Moshe, on va dire que Moshe, oui, il fait semblant, il joue le jeu, ou vraiment, il sait pas, il demande à Dieu quoi faire. Et Moshe, il va demander à Dieu, et après, Dieu va répondre en disant, oui, c'est vrai, ils ont raison, j'ai réfléchi, ils vont avoir Pessah Sheni. Pourquoi Dieu n'a pas donné le pile départ, quand il a donné la mitzvah de Pessah? Il aurait dû dire, ça, c'est pour ceux qui peuvent le faire. Et ceux qui peuvent pas le faire, ben, ils auront un deuxième Pessah, le 14 décembre. Pourquoi depuis le départ, Dieu n'a pas dit clairement comment les choses devaient être faites? Il aurait dit,
Ça, c'est ce que tu dois faire le 14 Nissan. Tu amènes le sacrifice de Pascal. Si tu n'as pas pu le faire le 14 parce que tu as eu une raison, tu ne pouvais pas le faire, tu étais impur, tu le feras le 14 hier. Pourquoi attendre que quelque chose se passe, qu'il se tourne à Moshe, qu'il demande à Moshe, Moshe dit je ne sais pas, il faut que je demande à Dieu. Il demande à Dieu et Dieu dit ah, ils ont raison, ce sera le 14. 300. Rabbi répond. Qu'en vérité, cette réponse, c'est une réponse à une autre question que beaucoup demandent. Puisque Dieu a fait qu'on fasse Torah et Mitzvot, pourquoi il y a tellement de difficultés? Jusqu'à ce que parfois, le mauvais penchant fait tout pour t'empêcher. Comment j'ai la possibilité d'être un juif religieux quand Dieu m'a créé dans un monde qui parfois me donne des difficultés pour vivre comme un juif? Et il faut juste que j'ai ce qu'on appelle ce Messirut Nefesh, et ce don de soi, cette abnégation de soi, de trouver la réponse à la question qu'à ce moment-là, je vais pouvoir faire la volonté de Dieu. En deux mots, Dieu veut que je fasse la religion, il a qu'à me donner toutes les facilités sur terre. Pourquoi ça devient compliqué? Pourquoi je dois faire des choses et je dois faire un sacrifice quelque part? Vient la réponse qu'on apprend de Pessah Sheni. Tout le temps qu'un juif ne dérange pas le fait qu'il ne peut pas amener le sacrifice de l'agneau pascal comme tout le peuple juif, alors c'est vrai qu'il n'avait pas la possibilité de le faire. Quand lui s'est réveillé à l'intérieur de lui, c'est ce moment qu'il est venu avec un cri chez Moshe. Comment ça se fait que je suis différent de tout le peuple juif qu'il peut lui amener un sacrifice? Ça a fait que Dieu a amené une nouvelle lumière, une nouvelle réponse du ciel. Ça lui a donné une nouvelle opportunité. Qu'il puisse se renforcer sur toutes les difficultés. Qu'il puisse être béni parmi tous les sujets du monde et en même temps faire la volonté de Dieu. Lui dit ça, c'est la réponse générale par rapport à toutes les difficultés qu'on a sur Torah et Mitzvot. Dieu veut que le judaïsme, la Torah et les Mitzvot soient chers aux yeux d'un juif. Et que grâce à ça, tu puisses tester et voir combien ils ont de la valeur à tes yeux. Et donc, quand un juif, ça lui fait du mal au cœur, ça le dérange. Il voit que je ne peux pas faire dans un environnement correct, je ne peux pas faire la religion comme il se doit, parce qu'il y a quelque chose qui me dérange. Il vient avec un cri envers Dieu en disant, moi je veux faire ce que Dieu me demande. Mais il y a des difficultés, il y a des choses qui me dérangent, il y a des choses qui ne me laissent pas le faire. Dieu est capable de changer la nature et la structure du monde, d'organiser toutes les conditions autour de toi, pour que tu sois comme tous les peuples juifs. Qu'un juif dans toute la génération, en commençant par Moshe, ils ont pu le faire. Et ils le font jusqu'à aujourd'hui, et que toi aussi tu puisses le faire comme tout le reste. Et de la même manière que par ce sacrifice, on est sorti de l'Égypte, ainsi dans chaque génération, par ce don de sa personne, on pourra sortir de l'esclavage et des situations difficiles. La vie continue en te disant, il y a un autre exemple qu'on voit, 301, avec les filles de Tzofrad. Après la sortie d'Égypte, on a le même épisode. Quand le peuple juif est parti du désert en Israël, les filles de Tzofrad qui n'ont pas eu de père, n'ont pas eu de frère, ils ont dit à Moshe, est-ce qu'on peut recevoir le morceau de terrain qui était destiné à notre père? Et l'argument, c'était quoi? Que nous, si on veut avoir un héritage en Israël, on va pouvoir fonder là-bas une famille, comme c'était à l'époque découpé pour les 12 tribus. Mais il y avait encore une fois l'argument, pourquoi? Parce qu'on n'a pas de frère, pourquoi nous, on ne pourra pas obtenir un morceau de terrain? Et encore une fois, Moshe a dit, j'ai pas de réponse, je vais parler à Dieu. Et Dieu a répondu, qu'est notre frère de droite? Ils ont raison, donne-leur un morceau de terrain. Rabbi nous explique. Qu'est-ce que ça nous a montré encore une fois? Que les femmes de l'époque étaient beaucoup plus présentes, beaucoup plus croyantes, beaucoup plus proches de Dieu, de vouloir établir leur vie en Israël que les hommes qui étaient dans le désert. Et ils voulaient montrer comment même en étant en Israël, en labourant, en semant, en pouvoir vivre avec les lois de la nature, néanmoins vivre avec la certitude que Dieu les met à la terre de chacun d'entre nous. Et encore une fois, ça c'est pas quelque chose qui s'est passé par Dieu depuis le départ, il fallait attendre qu'ils viennent et demandent à Dieu. Et Dieu, à ce moment-là, il change la règle qui, au départ, était que la terre pouvait être héritée seulement par celui qui a des garçons ou par des hommes de chaque tribu et pas par les filles. Et par ça qu'ils ont demandé la question, Dieu, il a changé la donne, il a changé la règle, et il a dit, oui, on va mettre une paracha spéciale dans la Torah, qu'eux aussi pourront avoir un morceau de terrain pour celui qui n'avait pas de frère ou de garçon, etc. Vitamine, que Dieu aide, que cet enseignement qu'on apprend de Pessah Sheni, ce sont un enseignement qu'on met en application dans la vie de tous les jours, comme je dis, pas seulement par rapport à la fête de Pessah. Et qu'à chaque fois, un juif est confronté à une difficulté. Difficulté pour faire la Torah à la Mitzvah, difficulté pour se lever le matin, difficulté pour prier, difficulté pour donner la tzedakah, difficulté pour n'importe quelle chose, qui se rappelle qu'il n'y a rien dans le monde qui peut nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Mais au contraire, c'est à nous de prendre la décision ferme, que ça, c'est ce qu'on doit faire. Et on demande à Dieu, comme ces gens à l'époque ont demandé à Dieu, la manigar a demandé à Dieu qu'on veut pouvoir faire ce que Dieu nous demande, que Dieu nous enlève les difficultés. Et par ça, Dieu va nous rajouter la force, l'enthousiasme, la vitalité, la lumière pour faire ce qu'il nous demande avec santé et joie pour de longues vies et une bonne santé. Et que Dieu fasse abéli comme à l'époque, puisqu'on apprend la fête de Pessah Sheni, c'est en temps d'aujourd'hui, même si on est dans le monde. Si on prie à Dieu, Dieu va nous montrer comment surmonter toutes les épreuves et les difficultés, pouvoir se comporter comme il faut
avec largesse, avec joie et avec enthousiasme. Jusqu'à ce qu'on mérite d'aller vers Israël, très rapidement, l'Abbé dit, et de montrer comment c'est une terre sainte, construire le temple et amener le sacrifice de Pascal dans la troisième étape de Midrash. Cours en replay sur Torah.fr que les jours d'aujourd'hui revivent. Mais Balanès, Ayoula, et Sarcheni nous donnent de bonnes nouvelles pour le peuple juif, le soldat d'Israël, et aussi les otages qui sont libérés ainsi que les blessés qui guérissent. Et pour tous les peuples juifs, c'est dimanche, Lag BaOmer, Ayoula de Rishon de Yochaim, prépare la grande fête de Beit Chabad de Gilead avec les bougies qu'on allume à l'occasion des tzadikim pour se procurer sur le site du Beit Chabad. Qu'on attend encore des bonnes nouvelles. Cours en replay sur Torah.fr, si Dieu veut, à la semaine prochaine.